téléphone, un carton rouge, et qu'ils étaient... Bon, à un moment donné, l'entraîneur, il est obligé de faire avec l'effectif qu'il y a. Il y a eu des sanctions qui ont été prises par la commission de discipline, par le comité exécutif. Bon, on a dit qu'on n'en revenait pas dessus, l'affaire est close. Donc là, on ne peut pas les sélectionner, on va faire avec l'effectif. Et moi, je pense qu'avec l'effectif qu'il y a là, il y a un très bel effectif. Un effectif capable d'obtenir des bons résultats. Et je pense un effectif motivé pour montrer qu'ils peuvent obtenir les résultats. C'est le plus important. Bah, pour ce qui est de multiplier les matchs amicaux, un, je vois que vous ne connaissez pas le règlement parce que... Déjà, vous ne connaissez pas la sanction. Parce que la sanction, ce n'est pas un nombre de matchs, c'est un nombre de mois. Pour Samuel Eto'o, c'est 8 mois. Et pour Eno, c'est 1 mois. 2 mois. 2 mois pour Eno et 8 mois pour Samuel Eto'o. Donc, même si on multiplie les matchs amicaux, ça ne fera rien. Et en plus, on n'a pas le droit de... Ça ne servira à rien de multiplier les matchs amicaux puisque c'est... Le calendrier, c'est un calendrier FIFA. C'est pas nous qui décidons de quand on peut faire des matchs amicaux. C'est la FIFA qui donne des dates et on fait les matchs à partir de là. Donc, et même, c'est 8 mois. 8 mois, c'est 8 mois, c'est pas 5 matchs. Ok.